Bonjour, aujourd'hui, de bon matin, là je suis parti à l'aventure. Je me suis dit, bah tiens, je prends mon sac, je prends mon appareil photo, et puis voilà, c'était un petit peu givré, il y avait un petit peu de brume. Je me suis dit, bah on va voir, je vais essayer de me balader un petit peu et trouver des endroits où faire de la photo. On est samedi matin, il est 8h du matin, il faisait moins 1, en fait toujours moins 1, j'ai dû gratter. Donc voilà, là, vous voyez, bon, je tourne un petit peu, je suis dans un petit jardin que j'ai trouvé sur la route. Voilà, et je me suis dit, bah, je vais m'arrêter. Il y avait encore un petit peu de brume quand je suis arrivé, ça commence à se lever, mais il n'y en avait pas beaucoup. Donc bon, c'est pas grave, c'est vraiment l'occasion de sortir. Je pensais qu'il y aurait commencerait à avoir des feuilles d'automne, ce genre de choses, mais bon, même si les arbres commencent à prendre la couleur, bah, les feuilles sont pas vraiment par terre. Mais c'est pas grave, je pense que je vais tournouiller un petit peu autour de ce jardin, faire quelques photos. Puis voilà, je vous savais comme d'habitude, hein, je veux dire, je suis pas forcément toujours là pour vous apprendre des trucs, mais surtout pour vous donner envie de sortir et de faire des photos, même s'il fait froid, même si c'est l'hiver. J'ai dû gratter ma voiture pour la première fois cette année. Mais bon, c'est pas grave, sortez et faites des photos, voilà, et de toute façon, et les meilleures photos, ben, c'est tard le soir ou bonheur le matin, donc c'est pour ça que je me suis levé. Et même j'aurais pu le faire plus tôt, j'aurais peut-être eu lever le soleil. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, je vais profiter un petit peu de ce jardin. Je vais essayer de faire quelques photos, voilà, sans prise de tête. Comme d'habitude, c'est parti. Ah, juste quand même au niveau technique. Voilà, pour une fois ces derniers temps, j'ai pris mon OSR et le 24-105. Et on va voir ce que ça donne. C'est parti. Bon, l'avantage à cette heure-ci, c'est que vous n'êtes pas embêté par les gens. Il n'y a pas un chat. Donc je vois l'herbe là, hein, c'est bien blanc. Hein, c'est vraiment le début de l'hiver. Malheureusement, moi je préfère quand il fait chaud. Donc voilà, bon, je fais quelques photos. Je vais essayer de me balader un petit peu. Donc on va voir. Donc il y a le soleil qui va peut-être commencer, voilà, qui va commencer à sortir au-dessus des maisons. On va voir si ça me fait une petite lumière là. Sur ce petit canal, non, ça va être la Sèvre qui passe là, la Sèvre Niortaise. Donc, on va essayer, on va faire au mieux. L'idée, c'est de s'aérer et de faire des photos. Bon, j'ai quand même réussi, enfin, il y a quand même un petit peu de brume, donc j'ai essayé de faire des poses semi-longues, donc à la main, hein, donc à la limite de la stabilité, de la stabilisation de mon objectif. Et on va voir si j'arrive à rendre ça comme il faut en post-traitement. Bah, vous verrez sûrement ça tout à l'heure quand je vous montrerai les photos que j'ai fait aujourd'hui. Bon allez, je continue à me balader, j'attends que le soleil monte un petit peu. Et puis on va voir ce que ça peut donner. Voilà, vous voyez derrière moi, il y a le soleil qui se lève. Là j'ai fait quelques photos, j'espère que ça rendra bien. Il y a un petit peu léger brume. Et le soleil qui irradie à travers les arbres. Bon, on va patienter encore un petit peu. Il y aura peut-être quelques photos à faire quand même, quoi. Allez, il fait frisque, il fait frisque. Bon, là vous voyez, derrière, le soleil vraiment qui sort. Donc j'ai essayé de faire des premiers plans complètement à contre-jour avec le soleil derrière. Donc peut-être jouer avec de l'ombre, ce genre de choses. Donc voilà, petit exercice du matin. Et puis voilà, bon, petit à petit, je pense que j'ai encore quoi, un petit quart d'heure là, pour essayer de jouer à la lumière. Après ça commencera à être un petit peu haut, mais moi je suis assez content. Voilà, je verrai ce que ça donne, mais bon, c'est pas grave. J'aurais fait en tous les cas l'exercice, l'effort de sortir, comme je vous le disais. Voilà. Puis c'est calme, j'adore le calme du matin comme ça, c'est génial. Bon, même si je préférais qu'on soit en été, mais bon, c'est bien pratique, c'est reposant. Puis ça change de la semaine tumultueuse avec le boulot, tout ça. Voilà, allez, j'y retourne, voir s'il y a encore quelques photos à faire tant que le soleil il n'est pas encore complètement monté. Allez, c'est parti.
Bon, voilà, je crois que j'ai ce qu'ils font en photo. Maintenant, reste à voir si c'est intéressant, s'il y a vraiment de la matière en post-traitement. Mais bon, je regrette pas ma sortie. Donc, c'est toujours ça, de se lever bonne heure, enfin, ou en tout cas, pas trop tôt, pas trop tard, et de braver le froid pour venir faire quelques photos. Voilà, j'apprécie, j'espère que vous aussi. Bon, j'espère que cette petite balade un peu improvisée, où je dis, je savais pas trop où j'allais. J'ai pris la voiture, j'ai mis l'appareil photo dedans et je suis parti. Donc je suis pas allé très loin de chez moi, tout compte fait, je vais être à une dizaine de bornes. Mais bon, c'est toujours ça. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous donne envie de faire pareil. Et c'est bien le but de ces vidéos, de toutes ces vidéos un peu sorties photo que je vous mets, surtout cette année où j'en ai fait quand même pas mal. Donc c'est vraiment pour vous donner envie, c'est bon au bout d'un moment d'apprendre. Mais il faut surtout pratiquer, pratiquer, faire des erreurs pour essayer de s'améliorer. Et puis voilà quoi. Je veux dire, je vais pas orienter la poudre. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo sans prétention vous a plu. Si vous a plu, comme d'habitude, un petit pouce bleu, n'hésitez pas les commentaires, l'abonnement, le blabla, tout le reste. Vous êtes habitués maintenant, il n'y a aucun souci. Et puis, vidéo la semaine prochaine, normalement. Voilà, on va fêter les 8 ans de la chaîne. Ouais, ça passe vite. 8 ans, voilà. Est-ce que je serai là pour les 9 ans? Ça, on verra bien. Bon, on en reparle la semaine prochaine. Ciao, ciao.